بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. Bonjour mes chers abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un effet qu'on peut faire avec Wilcom. Donc n'oubliez pas de faire une visite sur ma chaîne YouTube pour voir beaucoup de tutos ou de vidéos, des petits cours sur le logiciel Wilcom 4.2 et les anciens cours sur le Wilcom E2. Et il y a aussi des cours sur Onboard. Donc je pense prochainement faire des cours sur, bien sûr, le PE Design version 11. Donc prochainement, c'est un petit projet que je pense faire des petits tutos sur cette version. Donc je passe sur Wilcom E4.2. Donc on est sur l'interface de Wilcom E4.2. Donc on va essayer de vous expliquer ou de vous faire des astuces avec bien sûr l'effet spirale. Donc voici le spirale. Vous allez le trouver sur le type de point de remplissage qui est classé ici, spirale. Donc utilisé pour créer des broderies en spirale rayonnant au centre de l'objet, appliqué aux formes fermées. Cliquez à droite pour les paramètres. Donc voilà l'effet spirale. Donc, on va essayer de prendre un dessin ou un objet. Donc on va par exemple prendre ce schéma ou ce dessin. Donc on clique. Donc je sélectionne bien sûr le spirale d'abord. Je fais la sélection de spirale. Donc je sélectionne l'objet et je dessine. Donc je vais faire CTRL pour faire un dessin sur mesure. Donc regardez bien, j'ai ce modèle avec l'effet spirale. Donc regardez bien ici sur votre droite la liste des couleurs et objets. Donc voilà l'outil qui a signalé. Donc c'est l'outil complexe. Donc avec cet outil complexe en mode spirale. Donc je vais cliquer sur H de mon clavier. Regardez bien dans cet état. Donc là j'ai seulement une fin et il n'y a pas de début. Donc là je ne peux pas désigner le début et la fin si je veux doubler ou multiplier ou faire cet objet en série par exemple. Donc je vais je peux le faire, mais j'aurai des problèmes du côté découpe des débuts et de la fin. Donc je pourrai pas le contrôler. On va faire un essai. Donc là le début et la fin c'est ici. Donc je ne sais pas. Donc on va faire une série. Donc de 5 lignes. Donc regardez bien. Donc là on va faire le parcours avec l'objet parcours. Donc je vais centrer. Donc là je vais faire mon parcours. Donc regardez bien. Donc ça démarre ici et ça termine ici. Donc je reviens en arrière. On va essayer de faire un passage. Donc là c'est bien. Donc le début est ici automatiquement. Et la fin est ici. Donc
qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer ces coupes? Donc, on va essayer de faire une série. On va voir. Donc là, le problème est réglé. Donc, on peut le faire de cette manière automatique. Comme aussi, on peut régler comme on veut. Donc là, je vais diminuer les espaces entre ces lignes. Donc, je vais aller sur espacement. Donc, valeur de points, espacement. Et j'augmente les espacements. Regardez bien, je vais mettre par exemple 5. Donc, même le nombre de lignes sont diminués. Donc là, au début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 lignes. Donc je vais faire 5 mm. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 lignes. Donc là, pour afficher le début et la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur désassembler ou contrôle K de notre clavier. On clique. Et voilà, l'objet est désassemblé. Donc là, je vais cliquer sur H. Je vais faire ou je vais faire refaçonner. Donc là, j'ai un début. Donc mon début ici et la fin ici. Comme je peux inverser. Donc là, j'ai inversé. Donc le début ici et la fin, je l'ai mis ici. Mais dans la première situation, on ne pouvait pas changer le début et la fin. Donc, on a trouvé une solution avec cette méthode. Dans ce cas, on va essayer avec le parcours. Donc, je travaille avec mon clavier, bien sûr, avec le haut et le bas, et droite et gauche, les flèches. Comme j'ai expliqué dans mes cours précédents. Donc là, ça démarre ici et ça termine ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Si je vais faire une série, je vais faire une série de ce côté de la gauche. Donc là, vous voyez les coupes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire le parcours. Donc, je démarre. Je termine ici. Donc là, je vais faire un passage ici jusqu'à. Je vais le faire de cette manière. Regardez bien, il n'y a pas de coupe. Donc, ce sera mieux si je supprime cette partie. Donc, contrôle, je clique sur contrôle pour sélectionner celui-là. Donc, je supprime le reste. Donc là, je vais faire en série de ce côté. Là, je dois préciser le rapproché exact. Donc, je fais entrer. Donc, regardez ici, il n'y a pas de coupe. Je supprime le dernier. Ici, zéro coupe. On va aller broderie. Propriété de dessin, donc là les coupes c'est 0. Donc comme vous voyez mes chers abonnés, le Wacom E4.2 vous donne toujours la solution pour faire votre travail. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaît. N'hésitez pas à me contacter pour des questions et des propositions pour des sujets différents et n'hésitez pas
à me m'envoyer des messages sur YouTube ou sur ma page Facebook. Merci à vous et au prochain tuto, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.